C'est bon, t'es posé? On peut commencer à jouer? Ouais, peut-être. Ok. Bon, ça tombe bien parce qu'on va jouer à un jeu de n'animaux aujourd'hui. Nous allons jouer à Zoo Simulator. On a la chance de pouvoir y jouer en avant-première parce que le jeu sort le 26 juillet, à savoir donc dans 4 jours. Et voilà, donc on m'a proposé de le découvrir avec vous en avance. Donc évidemment, c'est des n'animaux, évidemment que j'ai dit oui. Hein, voilà, donc nous allons découvrir ce jeu, surtout que nous avions fait la démo. Et j'ai regardé, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, en soi c'était en avril qu'on l'avait faite. Et on avait plutôt bien aimé, on avait plutôt passé un bon moment sur le jeu. Ou dans Zoo Simulator, donc pour ceux qui sont un peu plus familiers avec Planet Zoo par exemple. Donc évidemment, là on est plus sur un jeu indé, c'est pas aussi poussé que Planet Zoo. Puis Planet Zoo a plusieurs années maintenant, c'est pas comparable. Mais sur l'idée, là on a plus un zoo de base. Zoo qui est donc la délabrée. Donc là notre objectif c'est de le rafistoler, le rénover, tout en ajoutant des animaux. Et il faut bien sûr que le bien-être des animaux soit respecté. Voilà. Après, est-ce qu'on va avoir une gestion, par exemple, des besoins des visiteurs? Ça, ça avait pas l'air d'être présenté. Maintenant à voir. En tout cas, c'est en l'état actuel des choses. Donc affaire à suivre, j'ai envie de dire. Nouvelle partie. Donne un nom à ton zoo. Yes. Nous serons Kikitude. Of course. Et puis voilà. Donc j'imagine que le début du jeu va ressembler sensiblement à la démo. J'imagine. Parce que la démo nous apprenait bien quand même les bases du gameplay et les différents éléments qu'on avait à ce moment-là du développement. Je pense que ça va commencer sensiblement pareil. Mais on verra. Ah, on entend un bruit de patouille. Ce sont nos patouilles. On les voit pas, mais elles sont là. Je vous laisse imaginer. Ah! Nous sommes là. Et oui, le jeu est en français, donc ça, on adore. Bienvenue. Autrefois, ce zoo était un endroit très visité et assurant un refuge à de nombreuses espèces. Ses jours de gloire ont passé, et maintenant il demeure vide. Peux-tu le rénover et lui redonner sa gloire d'antan? Ton proche t'a laissé cette propriété pour que tu t'en occupes, et si tu essaies, peut-être que les visiteurs y reviendront, et les animaux en recherche d'un nouveau foyer y trouveront leur place. Donc, ZQSD isopé. Alors, on va essayer d'avoir les bruits de pas. Je peux régler le son des bruits de pas, donc si vous trouvez que c'est trop fort, bah, n'hésitez pas à me le dire. Parce que, bah, comme je vous disais, hein, j'ai réglé, mais j'ai peut-être pas, pas assez baissé, j'en sais rien. On a les petits sons ambiants et tout, la musique. L'équilibrage a l'air pas mal. Reste juste à savoir si c'est trop fort ou pas assez fort pour... Donc maintenant, nous avons cette petite pièce. Niveau graphisme, par contre, on est au maximum. Hein. Je sais pas si vous aviez vu. Voilà, je me suis mis au plus haut de tout ce qu'il y avait. Et voilà, il a volontairement, en fait, ce que je voulais dire, c'est voilà, il a volontairement donc cette patte... comment dire? Avec du détail, mais pas non plus vraiment défini, vous voyez. C'est net, mais pas trop. c'est un peu cet effet-là, mais il avait déjà cet effet-là à l'époque. Niveau fluidité, on est pas mal. Je sais pas si je baisse un peu plus. Bon, peut-être une chouille. Mais vraiment une chouille, hein. C'est histoire de chipoter un peu. Hein. Si on passe en x8, par exemple. Ouais, c'est peut-être un peu mieux. C'est bien ça, hein, si on réduit. Hein. Ma sensation est la bonne, si je me mets en x2. On est d'accord. Non, mais ça me semblait logique, vu que c'est un système de multiplicateur. Malgré tout, je me méfie. Allez, on se remet à 8. Hop. C'était histoire chipotée. Ordinateur. Donc voilà, donc dans l'ordinateur. Attendez, juste pour la partie ici, je vais me mettre là, comme ça vous avez le texte et les catégories. Donc on est dans le tuto ordinateur. En utilisant l'ordinateur, tu peux faire beaucoup de choses importantes dans ton zoo. Adopter des animaux, acheter des objets ou vérifier des statistiques. Tout à un seul endroit. Donc on a le magasin où on peut acheter la nourriture, les matériaux et l'équipement à réparer. C'est ici donc on peut tout acheter. Chaque objet est placé dans la catégorie y correspondant. Y correspondant, ça me perturbe.
Adoption d'animal. Dans cette section, tu trouveras des animaux qui ne résident pas dans ton zoo, mais qui peuvent être adoptés à tout moment. Alors, je ne sais pas s'il y aura un système de reproduction, parce que là, je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir, parce qu'en vrai, c'est petit, donc... Si vous ne m'avez pas en grand écran, ça ne va pas être super visible. Mais il y a un système de mâle, femelle, etc. Avec des âges aussi, notamment. Donc, soit ils font ça pour rendre ça RP, soit est-ce qu'on aura la reproduction. Je ne sais pas. Sachant que je ne sais plus si je l'ai dit, mais le jeu se... Enfin là, quand il sort donc le 26 juillet, c'est une Early Access, donc il y a encore du développement à venir. Mais je n'ai pas les axes de développement. Au même titre d'ailleurs que je n'ai pas le prix du jeu. Je ne sais pas à quel prix sortira. Je n'ai même pas dit que c'était sur Steam d'ailleurs. Je suis fatiguée en ce lundi. Hein. Mais j'ai pas le prix du jeu par contre. La gestion des animaux. Ces animaux ont-ils faim? Ont-ils suffisamment d'eau? Tu leur as assuré un divertissement approprié. Dans l'onglet Manage Animals, tu trouveras toutes les informations nécessaires sur le bien-être et les besoins des animaux. Le statut du zoo. Tu veux savoir quelle est la note qu'on donne à ton zoo et quels sont les avis des visiteurs? Et qu'en est-il de l'état de tes enclos? Ton budget est-il au niveau adéquat? Tu veux savoir quel est le meilleur moment pour ouvrir ton zoo? Tu trouveras les réponses à ces questions et beaucoup plus d'informations dans la section statut du zoo. L'amélioration des outils, puisque nous avons effectivement des outils vu qu'on doit rénover notre zoo. Dans le zoo, il est important de procéder régulièrement à des travaux de maintenance et de réparer rapidement les défaillances. Dans la section amélioration, tu as la possibilité d'améliorer les propriétés des outils pour accélérer la réalisation des travaux. Les employés. Gérer un zoo est une tâche exigeante. Pourquoi ne pas demander de l'aide? Dans la section employés, tu peux embaucher différents spécialistes qui te soutiendront dans l'accomplissement des défis quotidiens en zoo. Chaque employé ouvre de nouvelles perspectives de développement et a un impact sur différents aspects de la gestion. Rénovation. Anciens meubles abîmés, des clôtures qui se disloquent, une végétation sauvage. Si ton zoo ressemble à un endroit dont personne ne s'est occupé depuis longtemps, en ouvrant la section rénovation, tu as la possibilité de rafraîchir tous les éléments qui ont besoin d'être rénovés. Change les meubles, remplace la végétation sauvage, améliore les clôtures. Ces travaux et beaucoup d'autres t'attendent dans cette section. Notification. Si quelque chose t'a échappé, ne t'inquiète pas, tu trouveras les informations essentielles dans la section notification. Et enfin, l'encyclopédie. Quelle est la durée de vie d'un rhinocéros? Quelle est la friandise préférée des éléphants? Toutes ces informations fascinantes se trouvent dans l'encyclopédie. Explore cette richesse d'informations pour satisfaire à ta curiosité. Voilà, nous avons fini le tuto. Et bien sûr, donc, on retrouve toutes les catégories ici. Voilà. Maintenant, il faut qu'on achète un soudeur et des barres. Attendez. Non, adoption animal. Gestion, statut, non. Peut-être le panier en haut. Cocotte. Nous avons un soudeur qui nous a coûté 150 balles. Félicitations, tu viens tout juste d'acheter ton premier objet. Les objets achetés apparaissent dans l'entrepôt. Tu peux les prendre en les pointant et en utilisant la souris. Les matériaux. Alors, je sais plus si elle avait mis un nom des barres. Non. Effectivement, nous avons un entrepôt. Alors, j'ai laissé ma caméra en bas. Ah non, j'avais pas vu que j'avais le machin Ubisoft. Ceci n'est pas adéquat. Attendez. Là. Hop. Bah oui, c'est pas un jeu Ubisoft. Ça veut pas dire que je peux partenaire avec eux, ça veut juste dire que là, non. Là, c'est pas un jeu Ubisoft. Donc, voilà notre petit entrepôt où nous avons donc ce que nous venons d'acheter. Savoir le soudeur, ici présent. Les objets te permettent de réaliser plusieurs opérations dans le jeu, mais n'oublie pas que tu peux tenir un seul objet actif dans ta main. Tu peux facilement stocker les autres objets dans ton inventaire. Donc on a jusqu'à 9 emplacements et on switch avec la molette de souris. Prendre les barres. Hop, voilà. Approche-toi de la porte avec le trou et répare la porte. Effectivement, nous passons en mode réparation. Ici. Nous allons souder des barres, j'imagine. Hop. Coucou Angel to Darkness. Donc on les place dans le trou, ensuite on fait le soudage. On répète le processus sur les points qui restent jusqu'à réparation complète de la porte. Très bien. Le bricolage n'aura jamais été aussi simple. Ah. Et c'est un travail de professionnel. Le bruit du soudage par contre, tu m'entends bien. La matata, super. On a réparé du coup notre savane ensoleillée. Maintenant il faut qu'on adopte un animal.
Ok. Allons-y, let's go. Achetons des animaux. Je sais pas si on peut... Okay. Je voulais voir si on pouvait sélectionner par biome. On peut sélectionner donc par type d'animal. Oh, il y a un pan la roue. Enfin, il y en a pas, mais on peut en acheter. Ah, parce que dans la démo, il n'y avait pas beaucoup d'animaux. Ce qui est assez logique, c'est une démo. Mais là, il y en a plus du coup. Voilà la liste actuelle donc des animaux. Ouais, on se spoil un peu, mais c'est une animaux, donc on veut savoir. Enfin, moi, je veux savoir, ok. Rhinocéros blanc, gazelle, autruche, hippopotame, éléphant, grizzly, buffle d'Afrique, dromadaire, coyote, panda roux, fennec, hyène, gorille, lion et tigre. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est ça. À terme, j'imagine qu'ils en ajouteront d'autres. Je dis j'imagine parce que je n'ai pas la roadmap à venir de l'early access. Mais souvent, c'est basé sur une ligne directrice qu'ils ont, des développeurs, mais aussi sur les retours des gens. Je doute que les gens ne demandent pas plus d'animaux. Hein. Donc là, il faut qu'on prenne un rhinocéros. On a soit mâle, soit femelle. Hein. Grosso modo, c'est ça. Sachant que, voilà, ils ont une personnalité, c'est ce qui me semblait. Donc je ne suis pas sûre que ça ait un impact sur le jeu. Mais pourquoi pas. Donc on a deux petits jeunes mâles. Ou bien on a deux femelles un peu plus âgées. Alors, je sais pas l'espérance de vie d'un rhinocéros, mais... On pourrait se prendre un petit mâle. Et coucou Fox. J'imagine par contre, je vais dire qu'il coûte plus cher, mais... Il y a une date d'exploration par contre, faut que je fasse gaffe. Hein. Au cœur tendre, vas-y, je vais prendre. Ah, il a 14 ans, je croyais qu'il avait 18 ans dans ma tête. Okay. Bon, on prend le plus jeune. Donc, nous avons un enclos ici. Et en tout, donc, on va avoir 1, 2, 3, 4... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 11 enclos en tout. Chacun donc avec un biome. En tout cas, c'est présenté comme ça. Par contre, il faudra qu'on nettoie cet enclos. Très bien. Bim. Ok. Maintenant, il faut qu'on sorte notre animal. Là, puisqu'on l'a acheté. Mais ça fait pas. Donc approche-toi de la cage, donc faut qu'on le relâche. Ah oui, c'est vrai qu'il faut qu'on mette des prénoms. C'est bon. C'est un rhinocéros mâle. Ce sera Henri. Voilà. Henri est devenu le premier habitant de ton zoo. N'oublie pas d'en prendre soin parce que les animaux négligés peuvent être retirés. N'oublie pas non plus de fermer les portails des enclos car les animaux ne se sentent pas à l'aise quand les enclos sont ouverts. Ils se barrent pas mais ils sont pas à l'aise. Donc on ferme la porte. Mais avant ça, on ferme pas la porte parce que je dois travailler dans l'habitat. Paraît-il qu'il faut nourrir la bête. N'hésitez pas par contre d'ores et déjà à réfléchir à des prénoms. Si vous avez des envies particulières pour les animaux à venir. Rhinite. C'est pas super ouf ça quand même. Tu donnes un nom de maladie, tu sais. C'est comme si on l'appelait Microbe. Bon, on peut après, hein, mais. Ça se trouve, ils seront plus résistants. Donc là, faut qu'on achète à manger. Hop, manger qu'on va donc récupérer dans notre entrepôt, ici présent. Merci. Et maintenant on va nourrir notre petit animal. Je peux passer par-dessus les clôtures et tout. Ok, on peut être civilisé dans la vie. C'est quand même pas compliqué. Voilà. Et on remplit. Voilà. Et maintenant faut laver. Vous auriez pas pu me le faire acheter avant le nettoyeur. J'ai l'impression de tourner en bourrique. Hop. Bon c'est le tuto après hein.
Et les outils, c'est vrai que j'ai pas fait un peu recenser la liste, mais on va en avoir quand même plusieurs. On a encore le marteau, la clé, la pelle, un doseur alimentaire, distributeur d'eau, perceuse-visseuse et une tablette. Bien des vrais pros du bricolage. Hop, le nettoyeur. Et on doit aller nettoyer un caillou. Au côté des enclos 0%. Ok. Un peu fort son truc. Ah, mais j'ai compris. Et avec A, donc on peut voir voilà, la surface encore à nettoyer. Je vais peut-être baisser une chouille quand même le son là. Attendez, ça va être quoi? Les effets, je pense. Vous savez quoi? On va faire ça. Au moins, ce sera radical en soi. C'est ça. Je me méfie parce qu'il y a des jeux des fois où la trad fonctionne pas très bien. On va faire ça. Je vais enlever donc 10%. C'est encore fort. On va le mettre à 20. Non, j'ai dit 20. J'ai pas dit 21, j'ai dit 20, ok. Voilà, on fait déjà mieux. On s'entend réfléchir. Oh, on a fait 18% avec un caillou. Ouais, c'est toujours bruyant après, j'en conviens, hein, mais c'est sûr qu'un gros jet d'eau, c'est pas le truc qui fait pas de bruit. Mais déjà tout à l'heure, le petit soudeur, là, il faisait du bruit, j'ai pas baissé. Là, non, lui, il était dans l'abus abusif. Par contre, c'est vomitif à faire le jour pour ça, là. D'aller un peu plus doucement, sinon c'est pas très agréable ni pour vous ni pour moi. Fais ça bien, on est doux quand même. Rien, je termine. C'est pas vrai, il reste du vert. Nous, on nettoie bien. Voilà. Là, c'est propre. On est d'accord. Là-bas. Donc, j'allais dire. Potentiellement j'ai des outils. Nous devons voir les statistiques. Les statistiques c'est là. Bon. Bah, parce que notre zoo n'était pas ouvert. Félicitations, tu viens juste d'ouvrir ton zoo et les premiers visiteurs commencent à arriver. Et ils expriment leur avis. Écoute bien ce que disent les gens pour assurer une meilleure réputation du zoo et par conséquent avoir de meilleurs revenus. L'argent des tickets est ta première source de revenus. Et plus tu as d'animaux, pardon, plus le prix du ticket est élevé. Donc c'est pas à nous de baser le prix du ticket. Pour l'instant, on a un prix de ticket de 94, mais c'est pas nous qui le fixons. On a un temps d'ouverture, le nombre de jours, les biomes du coup qu'on a rénovés ou pas. Les infos donc par enclos. Voilà. C'est pas mal. Attendons les premiers avis des clients qui arrivent. C'était quoi ce bruit de mort? Il y a un avis? Non. Bah calmez-vous alors. Respirez, je sais pas. Faites du yoga, je sais pas quoi. Bref, calmez-vous. C'est juste le côté animal et pas le côté qui vit pas les visiteurs. C'est ce que je voulais voir justement. Est-ce que, vu que là on attend, on va pas rester là à attendre. Je voulais voir si je peux nettoyer d'ici. Et j'ai pas l'impression. Ok, léger.
Enfin, on peut pas. Littéralement, on va laisser le truc en bordel. Bon, est-ce qu'on a des avis? J'allais dire, on a des gens qui s'en vont, donc... Peut-être que... L'enclos des rhinocéros est vide. Ils ont besoin de plus de décoration. C'est vrai. Va dans l'enclos et place des décorations. J'en ai pas de déco, moi. Oula. Appuie sur V pour entrer dans le mode décoration. Sélectionne une déco et place ça dans l'enclos. Les décorations ont un impact positif sur les animaux et sur la note générale des enclos. Un enclos bien aménagé rendra plus heureux aussi bien les animaux que les visiteurs. V. Let's go. Donc, nous avons... 4 types, on a la tout ce qui est lié à la nourriture, donc nourriture eau, lit et abri, enrichissement de l'enclos et jouets. Voilà. Donc on peut acheter les objets et les placer dans l'enclos. On appuie sur la molette. Ok, on joue avec la molette pour changer de catégorie. On utilise A et E pour faire défiler les objets. Une fois qu'on en a sélectionné un, bah on clique dessus, logique. P, c'est presque ça, mais sauf que c'est V. Si l'objet est éclairé en rouge, ça signifie que tu pointes le mauvais endroit pour le placer. Ok. Tu peux aussi déplacer un objet qui a déjà été placé. Pour ce faire, approche-toi de l'objet, pointe le curseur sur lui. Tu réutilises la souris et tu peux le tourner l'objet obtenu en appuyant sur F. Ok. Donc, nourriture et au foin. On va lui mettre un dodo quand même. On va lui mettre un petit ombrage. On va te mettre un ombrage, je sais pas moi. Par là-bas. Voilà. On peut le tourner comme ça aussi. Je croyais que c'était F. Ok. Ok. Donc là, migratoire à cornes. Une griffoire, douche. Oh, une douche, ça pourrait être drôle. Une petite douche arrimée. Là, c'est un coin debout. Je peux pas mettre de la douche dedans. Ça aurait été drôle. Hein. Je sais, on va mettre la douche à la sortie. Voilà. Bim. Et ensuite, un petit jouet. Bah, on a soit des quilles, soit des trucs à faire balancer. On n'a pas l'air de pouvoir les tourner avec précision. Voilà. Ah, bah très bien. Voilà. Il met notre truc là. J'aimerais bien voir le passer dans la douche. Je suis pas sûr qu'il passe, cela dit, hein, parce qu'il est gros quand même. Pour un bébé. Bon, c'est pas grave. Allons voir la vie sur l'ordinateur. Sachant qu'on a aussi un papier là qui nous parle de l'animal, comment il sent et tout. Hop. Est-ce que maintenant il trouve notre enclos Jiyabo? Ah, maintenant. Deuxième enclos dispose de refuges horribles. J'espère qu'un animal ne sera forcé de vivre dans de telles conditions. Super. Donc il faut qu'on achète marteau et pelle. Marteau. Pelle. Et qu'on aille s'occuper du deuxième enclos. Et là je crois qu'on arrive sensiblement à peu près là où on était en fait avec la démo. Parce qu'en fait la démo, j'ai pas souvenir du deuxième enclos. J'ai souvenir par contre qu'on avait fait d'autres réparations. Moi j'arrive pas à choper les outils. Ah, parce que tu voulais d'abord que je prenne l'autre. Bon, je sais pas trop. Parce que je me rappelle pas si on avait fait un deuxième enclos. Bon, quoi que peut-être hein. Je me rappelle pas. Est-ce que c'est où qu'il faut aller? C'est là-bas? C'est là-bas.
sais pas si t'en trouves là. Par où qu'on rentre dans celui-là? Là-bas. J'ai vu. Enfin, j'ai distingué. Si on avait fait le deuxième. Ok, donc on est encore dans la démo. Enfin, façon de parler, hein, mais. Et là, on doit faire. Ok, donc on avait notre entrée là. Maintenant, c'est ici. Ah oui, on avait même mis un hippopotame, non? C'est pas un truc comme ça qu'on avait fait? Si, effectivement, je m'en rappelle. Et on avait dû péter la cabane et tout. Attendez, j'y suis pour. Pan! Ah. Oups-la-pi. Ok. Mur décoratif. Pourtant, il est beau ce mur. Ok. Donc, on a pété ce qu'il voulait qu'on pète. Maintenant, on prend la pelle. Et on ramasse. Sac, on doit jeter à la poubelle. Ah non, j'ai juste son concombre. Ça se tient. Hein? Et dernier ramassage. Préférez du coup que la caméra soit là. J'ai l'impression que c'est mieux, mais. Ouais, on a reçu un nouvel avis. Il faut qu'on aille voir l'avis dans l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il y a, Logan? Et où? Ah, t'es là. Un avis! Ah, attendez, Logan est devant. Le tableau d'information à côté de l'enclos des rhinocéros ne tient plus. Voilà, c'était ce souvenir-là que j'avais. Donc, il y a un panneau qui ne tient plus. Donc, notre objectif va donc d'être aller le réparer. Pour ça, il nous faut une perceuse visseuse. Tu veux de la place, Lolo? Oh. On va donc récupérer dans notre cours. Et on va réparer le panneau qui est de l'autre côté. C'est le moment de faire une petite trotte. On brosse les cailloux avant de les jeter, c'est pour qu'ils soient propres. Ouais, c'est pour qu'ils aient moins de poussière. Alors, on doit tenir le curseur mobile dans le champ vert en appuyant au bon moment. Ok. Faut le faire 3 fois donc pour terminer l'action. Bim. La vis c'est fait. Enfin la vis. La vis une quoi. Et là, on va avoir le miracle d'acheter une tablette. Parce que se rendre à chaque fois l'ordinateur, ben. C'est un peu chiant. Enfin, c'est pas très outil, quoi. Ça, on va avoir notre petite tablette. Ça va être. Il doit pas nous manquer beaucoup d'outils, d'ailleurs. Non, après, ce qui va nous manquer, c'est la clé qu'on n'a pas encore achetée. Et tout ce qui est amélioration d'enclos avec un doseur alimentaire et un distributeur d'eau. Voilà. Donc c'est avec la tablette aussi fait carte et appareil photo. Tu peux exécuter toutes les actions sur la tablette à l'exception de l'adoption d'animaux qui se fait sur l'ordinateur. Ok. Ça va, c'est pas compliqué. Et coucou Echo, merci pour le lurk. Nous allons
En statut, parce qu'on veut les avis. Il y a trop peu d'animaux dans ce zoo. Il n'y a pas grand chose à voir. Il est vrai. Donc nous allons ouvrir l'encyclopédie et vérifier les exigences de taille de l'enclos dans l'onglet besoin. De quel animal? En particulier. Ah, je lui ai pas mis son jouet préféré. Je lui ai mis celui avec un bâton. Donc lui, taille de l'habitat, petit. Parce que là, je sais qu'il y en a un autre où c'est petit. Ok. Avec l'ordinateur, donc, nous, on a... Donc là, l'enclos, c'est celui-là. Qui est donc petit. Donc il faut qu'on achète un petit animal. C'est pas là. Rhino, rhino, gazelle. Gazelle, autruche... Gazelle, autruche, c'est tout ce qu'on a. Donc, les deux, c'est petit. C'est ouf, je lui ai rien mis de ce qui kiffe. Bon, on va mettre des gazelles, allez. Dans mon monde à moi, il n'y a que des pandarons. Ils mangent des arc-en-ciel et ils font des caca papi. Les caca papillons. On a une gazelle de 10 ans qui est une fille. Et là, on a une autre gazelle de 6 ans qui est aussi une fille. Oh, c'est une rescapée. La star de son enclos. Non, on prend la rescapée, nous. On l'a rescapé. On peut les mélanger. Oh, j'hésite. Vas-y, je vais essayer. Ouais. J'ai envie d'essayer. Du coup, panda où? On a un panda. Ok. Malheureusement, voilà, ça n'a pas marché parce que je ne l'ai pas mis dans l'enclos qu'il voulait. C'est pas grave. Bon. J'ai trouvé notre copain Rhino Henri, donc, a une copine gazelle. C'est pas grave. Une gazelle fille qu'on va appeler. S'appelle celle dans Utopie là. C'est bien une gazelle la chanteuse. Et coucou Trace. Comment elle s'appelle? Je vais regarder si je la trouve son nom. Mais je crois que c'est elle. Enfin, je crois que c'est elle. Je crois que c'est une gazelle celle de Utopie. Je crois que j'ai fait une bêtise. Non, c'est... gazelle. Utopie. Ah bah elle s'appelle Gazelle. Bah vas-y. Voilà, on est trop dans l'originalité. Voilà. Donc on a une copine. Par contre. Ah si il passe. Ah non pas trop. Non tu passes pas trop copain. Donc les besoins de base depuis une longue période occupent toi de ça? Comment ça? Ah, t'as faim et t'as soif. Ok, bah fallait me le dire. Bah, c'est plein. Et il y a à manger. Par contre, peut-être qu'il est coincé dans le truc. Depuis un long moment. Voilà. Donc ma théorie de le faire sortir de la douche, je pense qu'elle est mauvaise. Faut plutôt le mettre par là. Voilà, comme ça à la limite, il peut passer des deux côtés quoi. La douche ou la pas douche. Bon, en l'occurrence, lui il passe pas, c'est pas grave. C'est un détail. Ça, j'aurais bien aimé aussi... est-ce qu'on peut revendre un truc? Retourner l'achat. Vas-y. Parce qu'apparemment, c'est pas ce qu'il kiffe.
Lui, il préfère les balles. Enfin, les balles. Ça, non. Ça. Oh là, on l'a retourné au même prix. C'est chouette, ça. Faut se faire de la gamme et tout, ça la remplira. Mais elle est remplie. Vous voyez, c'est juste qu'il s'était coincé, cette grosse nouille. Voilà, on a un ballon. Et ce qu'il voulait également, c'était le gratte-corne, ça. Que je comprends, bien sûr. Hein. On va le mettre là. Voilà. Et on va également mettre... Je sais plus ce qu'elle voulait. Je crois que c'était une M et je suis pas sûre. Le foin, je suis sûre. Donc le foin, je vais lui mettre là. Est-ce que t'es happy dans ta vie? Ça va. Elle est plutôt happy. Bon. On vous laisse faire votre vie. D'ailleurs, maintenant, si on regarde... Ouais, il a de la compagnie, du coup il est content, Henri. Oui, heureux et gazelle. Bon. Maintenant j'arrête pas à dépenser tout notre argent. Il faut qu'on achète un autre animal. On va acheter une autruche. Lui. Donc on a autruche mâle 18 ans, autruche mâle 25 ans, et c'est tout. Donc on a une grande autruche majestueuse qui cherche un nouveau foyer, elle est amicale et tout, tout. Et on a celui 18 ans. Et il est un peu farouche, quoi. Elle mange quoi, d'ailleurs, elle? Qui est granulée, elle mange, ça. Ah. Moi, j'aime bien lui parce qu'il rigole. Enfin, il sourit, ça dit. Voilà. Libère un nouvel habitant. On y va. Merci pour les animaux. Achète des légumes et des fruits. Ça, on va le faire maintenant. Ça. Quoi que je peux le faire depuis la tablette, en fait. Techniquement. Mais autant le faire ici, parce qu'il faut qu'on aille chercher les sacs là, non? Oui. Voilà. On est bien. On y va. Oui, je peux plus courir. Ah, c'est bon. On libère notre autruche. Autruche mâle. Un prénom d'autruche mâle. Salut Zeldo. Un prénom d'autre cheval, les Kiki. Comment qu'on l'appelle, lui? On a Henri le Rhino, Gazelle la Gazelle, et on sait pas, l'autruche. Et chasse. C'est vrai que techniquement, il est grand. Ernest. J'avoue, j'aime bien Ernest. Si je voulais faire un jeu de mots entre Ernest et Chasse, mais ça va pas. Genre Ernest Chasse, c'est pas ouf. Erchanest. Bon, allez, Ernest. Normal. On n'est plus en mal. Ernest est validé. Bon, en vrai, il est pas si grand que ça. Ou c'est nous qui sommes très grands. Charnest. C'est vrai qu'on aurait pu l'appeler Charnest, mais personne n'aurait compris le jeu de mots. Regardez, elle est plus petite que nous. Heureusement qu'on l'a pas appelé Chasse. Hein. C'est pas très grand, mon petit. Il est pas tout jeune, donc un prénom ancien, je pense que ça lui ira bien. Je sais pas combien de temps ça vit, non plus. J'ai pas regardé dans l'encyclopédie. Bon, il a soif. Hop. Ah. Et, ah, ça a pas marché d'acheter mes légumes et mes fruits.
Seulement fruits ou légumes, bah oui, j'ai compris. Attendez, peut-être qu'il faut juste les mettre dedans. Regarde, on va te mettre un peu de tout, parce qu'on est des gens bien. Ouais, c'est bon. Le nouvel avis. Que disent les gens? J'ai voulu utiliser les toilettes, mais elles sont répugnantes. C'est con. Donc il va falloir faire la rénovation de nos toilettes. Dans l'onglet rénovation, tu peux rénover les vieux bâtiments et les autres éléments qui nécessitent une transformation complète. Tout ce dont tu as besoin, c'est de prendre l'élément que tu veux et l'acheter. Il sera automatiquement rénové. Tu peux voir l'élément qui compte sur la tuile. Donc on peut rénover notre bureau, on peut rénover l'accueil, de deux manières différentes, hein, à chaque fois. Voilà. L'espace café, que je renommerai l'espace chocolat chaud. La salle d'attente. Bâtiment, ben après voilà, c'est vraiment l'extérieur du coup. La végétation, de chaque biome, visiblement. Enfin, chaque enclos. Et pergola, sinon, la clôture, le portail d'enclos et, les tableaux. Les toilettes, là. Voilà. 2000 balles quand même. Voilà. Allumer l'ordinateur ou la tablette, voilà la catégorie amélioration et améliorer la perceuse visseuse. Donc ça les rend plus rapides pour la, réalisation des travaux. Donc la perceuse visseuse, pour ce faire, il faut avoir fait 3 vissages. Il n'y a pas d'exigence particulière ou spéciale. Et sinon, il faut avoir une certaine réputation de zoo et un certain nombre d'enclos ouverts pour le niveau 1. Ah non, pardon, j'ai 3 vissages. Non, pardon, c'est on fait 3 vissages, enfin 3 shoots. Pour pouvoir visser un truc. Donc là, ça va passer à 2. Et il faut qu'on ait 2 enclos. Ok, j'avais pas compris. Bim, c'est fait. Fixer les panneaux. Donc, ma visseuse, elle est là. On n'a pas mis de déco chez notre autruche. C'est quand même pas ouf. On reviendra. Panneau, panneau. Pour moi, c'est ceux de l'autre côté, non? Ah non. C'est ça. Ça va nous faire gagner du temps. On crache pas dessus. Hein? Merci bien. Ah! Raté. J'ai été trop gourmande à vouloir faire les deux d'affilée. Voilà. Nouvelle année. Décoration de la cachette dans la jungle sont horribles. La seule pensée qu'un animal veut utiliser, peut les utiliser, me donne des frissons. Bon, on n'a pas encore fait celui-là aussi. Aujourd'hui, je suis allée au zoo et je dois avouer que ce zoo me cite pas beaucoup plus. Ah voilà, ça c'est gentil. Une cachette dans la jungle. Ici, cachette dans la jungle. Les cachettes dans la jungle, dont certaines anciennes décorations comme le stand, la rampe, les plantes en pot ou la vieille balançoire ne conviennent pas aux animaux. Passer le curseur au-dessus de l'objet permet de le vendre en utilisant F. Vous serez peut-être amusé, hein. Mais bon, faites-nous de la pluie, on ne dira pas non. Ah oui, c'est chaque plante. Voilà. C'est fait. Adopter un animal. Introduire un nouvel animal dans l'enclos et donne-lui un nom. Et alors, c'est un enclos déjà de type quoi? De type grand. Ok. Cachette dans la jungle est grand. Donc, on va pouvoir prendre un grand animal. Grand animal. Grand animal. Qu'est-ce qu'on a comme grand animal? On a l'hippopotame. Et l'hippopotame. Voilà, voilà. On a un hippopotame mâle de 14 ans et une hippofemelle de 27 ans. Une toute jeune qui adore la compagnie. Après que son ami de l'enclos soit mort de vieillesse, sa santé a décliné à cause de la tristesse ressentie.
Mal, très mature et calme au caractère docile. Non, bah attends, on va mettre l'hypophile. On va lui donner une famille. Elle avait plus de famille. Petit bouchon. Ok. Bim. Allons chercher. Faut trouver un nom d'hypophile. Un clos de type fermé. C'est pas faux. Et regarde, maintenant il va être ouvert. Tadam! Une hypophile. Hypophile. Ça pourrait presque faire un prénom, ça, hypophile. Et tu l'écris genre... Ouais, ou t'essaies de trouver un truc, tu vois, genre avec un H et tout. Hypophile, tu vois. Bon, je dis pas que c'est un vrai prénom, mais... Est-ce que vous avez mieux qu'hypophile? Hein? Voilà, j'attends. Si vous avez mieux qu'hypophile, on l'appelle pas hypophile. Si vous avez pas mieux, ce sera hypophile. Ah ouais, avec un PH. J'avoue. Attends. Hypophile. Voilà, hypophile. Ah ouais, c'est mignon. Hypo girl. c'est... Oh, ce sera pour la version anglo-saxonne. Les Anglais, ils l'appelleront comme ça. Attends, on va fermer ta porte, sinon tu vas être mal à l'aise. T'as pas eu à manger et à boire, toi? Mais ils sont vaches. Pourquoi ils nous disent pas « nourrissez-la » ? C'est nourri. Y'a rien à manger dans le zoo. C'est con. Ah. Désormais, tu as accès à la carte du zoo sur ta tablette. La carte permet de s'orienter et peut-être utilisée comme un système de voyage rapide. Les points de voyage rapide... Oh, c'est cool, ça. Sont marqués comme des signes. Pour utiliser le voyage rapide, il suffit de cliquer sur le signe ou le nom du signe où tu peux voyager. Très bien. Avant, on va lui mettre de l'eau. Quand même. Pas trop combien on est niveau sous. Mais sûr, elle a... Non, elle est pas remplie. On va lui en mettre. Ça va être la fin d'une pandarou. Voilà. C'est un minimum quand même. Et niveau sous-sous, on va le savoir sur la tablette du coup. Si je vais là. On a 20 000. On a reposé. Je sais pas trop. J'imagine qu'il faut qu'on finisse les tâches qu'ils nous disent. Donc la carte, il faut qu'on se tépe. Du coup, ils veulent qu'on aille. Je sais qu'ils veulent qu'on répare un truc, mais je sais plus quoi. Dans le site en face de l'entrée. Ah, d'accord. Ouais, pas du tout, je suis allée. Donc dans le zoo, il y a des sites de construction. T'approchant d'eux et en cliquant avec la souris, donc on ouvre le bon bâtiment. Les objets disponibles peuvent être construits en mode bâtiment. Passer au-dessus d'un objet acheté va mettre le vent utilisant F. Il nous faut qu'on construise le stand de hot dog. On ne sait pas lequel c'est, le de construction. Ah oui, d'accord. Ok, j'ai. Tu fais comme toi tu veux. Très bien, vas-y, il est là. Et maintenant, il faut qu'on embauche une personne pour vendre nos dogs. Chaque employé donc a des bonus uniques et tu peux donner une promotion à tes employés pour augmenter l'efficacité de leur bonus. Donc le vendeur de hot dogs, qui nous coûte 1000 quand même. Niveau 1, il peut vendre des hot dogs. Niveau 2, il aura 15% de revenus supplémentaires. Niveau 3, c'est 30% de revenus supplémentaires. Il s'appelle Stéphane Dugan. Embauché. J'ai pas trop le choix dans le choix. J'ai pas de choix. Salut. Super changement. Les nouveaux objets rendent plus facile les déplacements dans le zoo. D'accord. Distributeur automatique de nourriture.
Et on le met n'importe où. Et on va aller le chercher. Tac, la carte. Et on va aller à l'entrepôt. Et ça, on est content. Parce que c'est plus rapide. On va le mettre là-bas. Ça se met dans une mangeoire apparemment. Les distributeurs sont utilisés pour remplir automatiquement les mangeoires avec de la nourriture. Pour remplir le distributeur, prends la nourriture, vise le distributeur et appuie sur la souris. Distributeur remplit ses mangeoires, cet animal consomme toute la nourriture. Sur le distributeur, il y a des lignes dessinées à la craie. Elles indiquent le nombre de remplissages du distributeur. Ok. Donc de base, il en a 3. Okay. Seulement des granulés. Bon. Là. Bon, j'ai rien mis dedans. Juste pour savoir, hein, mais on est d'accord que j'ai pas du tout rempli de machin. J'en ai acheté 2. Ok, ça m'a fait ramasser les 2. Mais... Bon, attendez, je galère un peu, je vous ferme la porte cette fois, sinon vous allez stresser. Est-ce que vous avez de l'eau? Ouais, mais on va en remettre. Qu'est-ce qu'on voit là? Ah, mais elle a déjà tout bouffé. Voilà. Ouais, bah 2 sacs, ce sera pas trop, hein. Oh, c'est un petit panda capin. Va falloir se reconvertir, hein, puis un rhinocéros. Donc ici, on reprend de la nourriture. Qu'est-ce que vous avez pas mon pipiné? J'en prends 3. Comme ça, j'aurai du stock. Et je pense d'ailleurs me faire aussi un stock de fruits et légumes. On va sûrement pas tarder à devoir remplir les autres. Voilà. Hop. Hein. Oh, mais t'es sérieux, Pedro, là? Voilà. Ça se garde moins bien. C'est pas faux. Bon, ça, c'est pas ouf, quand même. J'imagine que ça va être corrigé plus tard, hein, mais faut le prendre en compte, quoi. Ils peuvent vraiment se coincer n'importe où. Il nous faut une clé à molette. Il nous faut un robinet. Donc il nous faut, on a dit, une clé à molette et un robinet. Je sais pas si on peut... Ah si, on peut. Ce que j'allais dire, j'aimerais bien avoir toutes mes nourritures ensemble. Bien tout bien, quoi. Vous voyez? Voilà, ça c'est pas mal. Il faut qu'on installe un nouveau robinet en nous servant de la clé à molette. Alors, il faut qu'on installe où? Ce robinet. Je vois pas du tout. Je vois absolument pas où faut le mettre. Là-dedans. Là-dedans, on rentre. Ah, pas sûr. Si. Okay. C'est juste que là, j'ai ouvert un accès soigneur, en fait. Ouah, ce bordel. C'est un peu le cacabou, là, actuellement. Effectivement, c'est pas ouf. C'est à molette. Fort.
c'est pas des fois le Rhino, c'est un bêta testeur. Ah ouais, d'accord, bah tout s'explique alors. Après, on est en early access, donc ça se tient. Hein. Maintenant, il nous faut un distributeur d'eau qui est la clé pour enlever le robinet. Faut savoir ce que vous voulez. Faut le mettre ou pas le mettre, le robinet? Ok. Alors, maintenant, on va aller à l'entrepôt. Donc, on va faire ça. Et on va là. Ça, c'est magique. Ça, il n'y avait pas dans la démo. Ça, c'est quand même beaucoup trop bien. Le TP, là. On a fait si grandement. Et on va le mettre ici, bien sûr. Parce que... au moins, on sait que son clou, il est fait. Et que c'est le seul. Alors, avant d'installer, nous devons démonter le robinet. Et là, il va me dire, il n'y a pas de place. J'ai pas d'emplacement d'inventaire. Mais j'ai un sac, c'est vrai. Ok. Tu viens juste de placer ton premier objet dans le sac à dos. Tu peux ouvrir le sac à dos en utilisant I. Il va automatiquement donc dans le sac à dos. Et après, on peut faire librement les mouvements comme j'ai fait juste avant dans l'inventaire. Si vous voulez déplacer et tout, c'est pas un problème. Tu as terminé le tutoriel. Tu as acquis la majorité des compétences et des outils qui te permettront de t'occuper du zoo. Il y a encore plein d'attractions et de jeux qui t'attendent, de nouveaux enclos, de nouvelles espèces et des visiteurs qui se plaignent tout le temps. Ou peut-être avec un peu d'effort et de travail dur, tu pourras les satisfaire. Tout ceci t'attend. Bonne chance. Merci. Notre objectif est donc d'avoir 6 espèces d'animaux maintenant et de réparer 6 enclos. Ce qui n'est pas pour l'instant notre cas. Ils ont déjà mangé un truc, mais c'est ouf. Attendez. Comme ça, eux au moins, on sait que c'est fait. Voilà, vous êtes automatisés au possible. Hein. Si maintenant on va là-bas. Ouais, ça va. Ils sont contents. On va faire ce qu'on peut se TP à nos... on peut se TP. Oh, tiens, on va sauvegarder. Tiens, c'est pas idiot. Sauvegarder. Il manque le nom du fichier. Oui, bah. Voilà. T'as qu'à garder le nom de la partie. J'ai pas d'effort, mon coup. Tab. Si je veux me TP à l'enclos, du coup. Si je fais ça, j'atterris devant ou dedans? Devant. Bah, on va aller s'occuper de notre autre truc quand même. Pour l'instant est seul. Hop, le manger. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Dame autruche, le problème c'est qu'elle a pas grand chose. Qu'est-ce qui te ferait plaisir dans ta vie d'autruche? Jouer et... ok. Et par contre, ouais, en type d'habitat, elle y est pas. Hein. Je suis en train de voir ça là, mais... on a mis l'hippopotame. Biome step. Mais step, il n'y en a pas tant que ça. Step. Savane. Et l'autre, c'est... non, pas autruche, gazelle. Donc elle, elle devrait être ensemble, en fait. Alors, eux, je suis pas sûre qu'ils cohabitent. Ouais, regarde. Lui, par contre, il veut un lac. Mais j'ai pas vu ça. Hein. On va regarder nos enclos. Si on va là. Il précise pas. Parce que là, on a une vallée en steppe, par exemple. En fait, il faut juste se fier au nom qu'il y a. On a une savane, on a une forêt, on a une jungle.
faudrait qu'on aille j'allais dire ressusciter la vallée en steppe. Faudrait qu'on aille la faire. Comme ça, ils seront contents. Perry, Oasis, R2. Là que j'ai pas vu, j'avoue. Pour notre hippopotame. C'est les deux, du coup. Je regarde la map. Et donc ça, c'est la réserve ancienne. Donc c'est l'autre côté. Très bien. Pour ça, il nous faut des barrières. Ok. Là, on est tout bien. Bientôt, je te vois, t'es pas en bon état. On va t'aider dans ta vie. Tout ce qui est réparé ne sera plus à faire, hein, j'ai envie de vous dire. Donc il nous faut... On va peut-être en acheter plusieurs, genre. Robinet, techniquement, on en a un. Mince, c'est ça que je voulais faire. Je voulais aller à l'autre coup. Techniquement, on en a un. Donc voilà, on va le faire. Les barres, elles sont là. Et donc, on retourne ici. Après, là, je veux aller réparer ça, mais ça se trouve, on peut pas... ça se trouve, on peut pas le faire. C'est-à-dire qu'on pourra pas déplacer les animaux. Le robinet dans l'enclos terrien en forêt est cassé. Ah bah, super. Et coucou, panda. Énorme. Alors avant de faire ça, on va aller faire le truc qui est cassé parce que dans Terrien en forêt il y a un animal. Là. C'est con, on en venait. Alors là il va se passer quoi par contre? Est-ce qu'on va simplement le réparer ou est-ce qu'il faut qu'on le change? Il a besoin d'une clé, en fait il faut juste qu'on le resserre. Quoi. Nos problémos, on gère. On va peut-être aller voir notre petit hippopotame aussi. Du coup, toi, t'as de l'eau. Ok, et on va te remettre à manger. Tout ça, donc ça devrait aller. Le hippopotame, il dit quoi dans sa vie? Parce que là, on l'a mis dans la jungle. Après, qu'on se renseigne si on peut déplacer les animaux. Oui, ça vient, je sais que ça fait longtemps. Oh, t'as bu de... Il y a de l'eau. Il y a quand même de l'eau. Hop là. Je ne sois pas dans la boue. Gestion des animaux. T'es placé dans un autre zoo, c'est-à-dire... Ah non, tu le vends du coup. Ah, tu peux pas te changer de biome? Mais c'est nul. Ça a pas l'air en vrai. Hein. Parce que ouais, ta gestion d'animal, elle est là. Mais pour moi... On te donne de l'argent, donc c'est que tu le vends, quoi. Et lui, ou alors, si... On va essayer de... Bah non. Bah non, c'est n'importe quoi. J'allais dire, on va essayer de rénover le nouveau... un nouvel endroit, mais... Par exemple, l'autruche, elle pourrait très bien aller avec eux. Là, elle pourrait. Ils peuvent cohabiter ensemble.
Ou inversement, on pourrait très bien mettre la gazelle avec... avec le... l'autruche. Ouais, c'est pas... Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage, parce qu'au début, tu les écoutes un peu naïvement et tu fais ce que tu peux comme tu peux. Mais bah là, en fait, je me retrouve avec un... Par exemple, un rhino, enfin, pas rhino, un hippopotame, qui veut un lac et, toute évidence, il n'y a pas de lac là où il est. Il a des trucs, mais il n'a pas de lac. Alors, ça se trouve, il n'y a pas d'enclos avec un lac aussi. Ça, c'est une autre problématique possible. Il n'y a peut-être pas encore le moyen. Bah, techniquement, il disait qu'on avait fini le tuto. Alors, pour moi, on a accès à tous les éléments du jeu. Enfin, dans l'état actuel du développement. Hein. Puis, regardez, ils nous ont débloqué même la viande, alors qu'ils nous ont pas dit la viande, c'est pas les carnivores. C'est logique, hein. Mais... Voilà, voilà. Besoin de jardinier. Ouais, je sais pas. Ah, si on a, on achète un jardinier, du coup, on pourra changer les plantes dans les enclos. Je vais prendre une photo. Voilà, ceci est un cul d'hippopotame. Voilà, c'est tout pour moi. Sur ce, on est en train de réparer notre truc à step. Voilà, voilà, voilà. Je voudrais voir en fait si... Enfin non, faut voir, bon, faut qu'on le répare. Parce que je me disais, ça se trouve, si on... Si on regarde au niveau des panneaux, peut-être qu'on peut les déplacer sinon. Je sais pas. Ah, ça c'était un truc de viande aussi. Ah là il y a un lac. La poubelle ici. On est trop fort. Et l'alimentation des kiki est suffisamment équilibrée pour qu'on puisse faire ça. Ok. L'anneau savane ensoleillé est cassé. Réparé. Est-ce que donc je peux transférer ici les autres animaux? On serait obligé donc de vendre nos animaux et d'en racheter d'autres pour pouvoir mettre dedans. Il peut y en avoir 4 là-dedans. Oh, mâche. C'était quoi qui était cassé déjà? Un panneau, mais je sais plus quoi. C'est les enfants. C'est dans le statut? Pas un emploi, peut-être éventuellement les faire dormir, pouvoir les déplacer.
Un employé, alors employé, apparemment, on n'a que 3. On a le jardinier qui nous permettra donc de faire ça, de changer la végétation des enclos. Et on a donc le vendeur de hot dog, on l'a déjà. Et après, il faut qu'on peut avoir un spécialiste en marketing. Non, le soigneur, vraiment, là, c'est nous. Nous, on est soigneur, gérant, récumeur de toilettes, voilà, on fait tout. Où est-ce qu'il y avait un truc à réparer? Je sais plus. Il y avait un panneau, je sais. Mais je ne trouve que le point. Non, je sais pas. Les gens ont pas à manger par contre. Enfin, si, ils ont à manger, mais pas à boire, je me dis, peut-être. Ouais, c'est hyper long. Une sculpture. Une carte. Ou une sculpture. Alors, une carte, ça peut être malin. Est-ce qu'on peut pas la mettre ailleurs? Or là, on peut mettre quoi? Bah voilà, par exemple là, tu mets ta sculpture. Mieux. Mais c'est pas ce qu'on a besoin là. Si je vais là. On peut faire café, boutique de souvenirs, petite restauration, stand général. Ok. Je vais vous mettre des tables tranquilles. Ça a pas l'air très gigapi. Ah, c'est ça qui est cassé. Mais ouais, non, dommage cette histoire de Nanimo. Dommage. On peut en racheter, là c'est le prochain objectif, je vais aller voir l'ordinateur. Techniquement, on peut racheter les espèces. On va pas racheter l'animal en question. Qui me rend triste forcément parce que moi je m'étais attachée, mais on peut les racheter, enfin racheter la même espèce. Si on tourne dans l'adoption de l'animal, ah oui, là, oh, le panda, okay, il y a un panda, c'est la fin du monde. D'accord, bon, en fait, on a tout là. Je vais pas dire de conneries, mais je crois qu'on les a tous. Enfin, tous ceux qui nous ont été présentés dans la liste, là. Pour moi, ils y sont tous. Je vais quand même regarder. Pour pas dire de bêtises. Mais on peut absolument acheter tous les animaux qui sont présents sur la liste. Par contre, mon idée là de finalement fusionner, faire dès le début autant que possible les fusions dans les enclos, etc. Je pense que c'est important parce que bah, sinon on est bloqué en fait. Voilà, on a fait tout le tour, il y a tous les animaux. Est-ce qu'on peut savoir à l'avance? Ah, c'est là les notifications. Ok, on les a que sur le PC du coup. J'ai peut-être pas cliqué là tout à l'heure, mais on va pas sembler le voir ce i. Tac, ici. Non, pas ici. Là. Non, on le sait pas à l'avance, faut qu'on les rénove. Ah, le problème c'est qu'ici qu'on les rénove et ils sont vides, les gens vont pas aimer. Aïe. On peut pas savoir en amont, en fait, les caractéristiques de l'habitat. Parce que sinon, moi, j'aurais déjà agencé un peu les animaux dedans. Parce que selon la taille, donc forcément, on met pas le même nombre d'animaux. Ou alors, on le saura là. Est-ce qu'on le sait à l'avance? Ah! On peut le savoir là, peut-être.
Donc visiblement là c'est que des grands. Ouais c'est ça. Ok. Et ben. Et ben on peut regarder un peu quels sont les besoins de chacun. C'est quoi le gérer animaux en bas? Là? Gérer les animaux. Oh! T'as trouvé notre solution, Trace? Non. Attends. Ma vallée on step. Ça a tout cassé. Ah, ça a beaucoup géré les animaux, hein. C'est... Ouais. Ah, j'aime bien. En plus, j'ai pas sauvegardé. Bon, j'ai rien fait. Ah bah tiens, si je m'attendais à ça. Bon. Après, c'est peut-être moi qui ai mal fait. Moi, j'ai cliqué sur l'enclos. Ah, ça nous a enlevé ça. Ok. Donc, en gros, j'avais mis... Attendez. J'avais mis ça. C'est raccourci retour à l'accueil. Ah, d'accord, avec fermeture du jeu incluse. C'est pas mal quand même, hein. Hop. On répare. Tac. Hop. Ah, raté. Il était gourmand de... Non, ça va, on n'est pas si loin que ça. Mais je crois que la sauvegarde, on le choisit dans les paramètres du jeu, je crois. Il me semble que c'est un délire de 2 minutes ou un truc comme ça. Je crois. Alors on va re-sauvegarder sur la kikitude. Bim. Voilà. Ok. Donc. Non, faut qu'on retourne à l'ordinateur, je crois. On peut choper la tablette du coup ou pas? Ah ouais, on l'a pas depuis. Ah, on l'a pas depuis la tablette. Ok. Ceci explique cela. Bon, retournons au bureau. On va regarder. Peut-être qu'il y a un moyen quand même de les transférer. Gérer les animaux. Gérer les animaux. Genre, Henri, non, je veux pas le bouger, Henri. C'est Gazelle. Gazelle, je voudrais la mettre là. Les espèces sélectionnées ne peuvent pas vivre dans l'enclos choisi. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Bah non, taille de l'habitat moyen. Bah non. Parce que je sais que Gazelle, elle veut un petit, donc je me suis dit peut-être que... Vas-y. Ah non, c'est la vallée en steppe. Bon, par contre, notre hippo, il peut. Ah, ou alors je l'ai mal déplacé. Attendez, je vais réessayer. Ah non, ça l'a pas mis dedans. Bah non, ça l'a pas mis dedans. Mais, what the fuck. Mais sortez-moi de là. Oh zut, j'ai les animaux. On va aller en steak. Ah ou c'est parce que c'était précisé viandu, genre. Ah, par contre, ici, on voit, vous voyez, il y a la liste. Vous voyez ou pas? Vous voyez, mais pas super bien, mais... Juste au-dessus de moi, en gros, c'est écrit « espèce possible à trouver ». Et donc, en fait, là-dedans, donc dans ma vallée en steppe, on peut mettre hyène, lion, tigre et coyote. Et grizzly, pardon, j'ai oublié grizzly. Ok. Bon, c'est un peu cafouillant, hein, ce truc-là. Je vous avoue qu'une fois que j'ai cliqué dans un enclos, je peux pas aller ailleurs. Vaut mieux survoler. Ici c'est Rhino Gazelle. Mais c'est bizarre parce que c'est pas leur. C'est pas ce qu'ils veulent, alors faut savoir. Bon, cela étant. Hippopotame, machin. Gazelle, hippopotame. Mais il n'y a pas un autre endroit où il y a un lac? Parce que.
Il veut un lac, notre hippo. Refuge désertique. Là, il y a un lac. Bosquet retiré. Notre hippo, il serait heureux, là. Peut-être mettre notre hippo. Le bosquet retiré. Ah, il y a de l'eau dans la cachette dans la jungle. Attends, il est où notre hippo? Ah, mais il est cassé notre truc. Bah, super. Bon, attendez, on va y aller. Pourquoi il est cassé? Ah. Ça parlait de portail. Très bien. Voilà, qu'on rachète des barrières. Alors, soudon. Ça, c'est pas du tout du soudage, cocotte. Ça, c'est du nettoyage. Chose que je n'ai pas faite d'ailleurs dans les entrepôts. Je sais même pas s'ils sont propres les autres. Bon, tout seul, ça fait quand même beaucoup de travail. Je sais pas si le fait de, vous savez, changer la végétation a un impact. Mais je suis un peu mitigée sur la chose, j'avoue. Ok. Bon, ferme ça. Il y a de l'eau, du coup, parce que ça laissait entendre qu'il y avait un lac. Ouais, il y a un petit lac. Ok. Ah, t'as faim? On va manger. On va donc manger, mon petit. Attends. Ok. Et bah pourquoi pas donc ici. Faut sacrément réfléchir à cette connerie. Voilà l'ordinateur. Et avant ça, je vais en profiter pour racheter des bas. Réfléchissons dans notre gestion de l'animal. Savane, on peut en mettre un autre. Hippopotame, gazelle. Parce que l'autruche, là, c'est un peu perdu. Là. Est-ce qu'on la mettrait pas avec eux? Je me dis. Et ici, on met autre chose. Pour l'instant, je suis pas forcément d'avis de mettre des coupes, machin, etc. Parce que ben, on n'a pas assez de visibilité sur le blanc lui-même. Toi, Ernest, tu vas aller avec eux. Voilà. Nous avons déplacé Ernest. Ce qui fait qu'on a un terrier en forêt petit, ouvert, qui peut accueillir des pandarous. C'est quand même incroyable ça que j'ai fait ça, moi. Je comprends pas du tout. Hein. Est-ce que les pandarous on reste à contre? On va vérifier. Les pandarous, ils veulent petit forêt. Ben voilà. C'est dingue, hein. C'est fou que j'ai fait ça. Voilà, donc on va acheter des pandarous. Alors par contre, qu'est-ce qu'on met avec un pandarou? Alors là, j'en sais foutrement rien. Des animaux que j'ai vus, pour l'instant, ça m'a pas frappé. Donc, parce que ouais, pandarous... Bah, le fennec, non, c'est pas le même biome. Et les autres, ils vont les bouffer. Je pense que les pandarous resteront seuls à tout jamais. Oh, quoi? Oh, sa maison a été inondée. On va t'acheter. Tiens, tu vas aller là. Tu vas aller là et tu vas te mettre là. Tu as gagné un nouveau trophée. Vérifie dans ton bureau, c'est-à-dire. Il est développé. Zoo, on l'avait déjà. Ah, ça. Tu trouves ça drôle? Eh, super. Bon, j'imagine que c'est une connerie comme ça et que quelque part dans un lieu incertain il doit y avoir un pandarou. Donc c'était ça le petit bruit tout à l'heure de fête, c'était ça là, peut-être celui-ci qui est tombé et qu'on savait pas.
Bref, on a un pandarou à intégrer dans son nouvel habitat. Et on va d'ailleurs, je pense, maintenant vérifier les besoins de l'autruche et on va lui mettre. Hop. Je me rappelle. Oh, je fais des petits bruits trop mignons. Pandarou fille. Daphné. C'est pas moi que ça va déranger. C'est pas moi que ça va déranger. Panda fille. On a déjà fait hippo fille. Allez, je vais assumer. Oh, il est trop mignon. Il y a un panda roux. Je vais assumer que je sois le panda. Je me serais même mise sur un mâle, hein, honnêtement. Pas de problème. Cartez-le. Voilà, je vais gousy-gousy, ça y est. C'est fini. Oh, trop mignon, là. Là, 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 là. Attends, on va s'occuper de toi. Tu manges quoi dans ta vie, panda? Que des fruits et des légumes. Je l'ai dit, on peut pas te donner de bambou, alors. Est-ce que tu vas te contenter des fruits et des légumes? Qu'est-ce que j'ai dans la main? Mais lâche. Voilà. Ça, et je me perds souvent dans la molette, je sais pas pourquoi. Mangeoire pleine. Qu'est-ce qui te ferait plaisir dans ta vie de panda? Dans ta vie de pandarou, tu voudrais un ombrage, un grattoir à cornes, d'accord, et une haie. Hmm, ok, il a pas de cornes, mais okay. Non, mais voilà, c'est pas grave. Un grattoir à cornes, ben on va te mettre lui. Hein, voilà. Ah, un petit ombrage. Pour un pandarou. L'ombrage, c'est ça. On va mettre là. Et on a dit de la haie. Bon, moi. Où est-ce qu'on lui met sa haie? Voilà. Ah, on peut même pas les... Ah si. Vite fait, hein. C'est approximatif, hein. Ça, t'es très mal mis, mon coco. Ouais, bon, c'est pas si pire. Voilà. T'es heureuse? T'as pas de compagnie. Mais je comprends. Eh, j'aurais bien acheté un autre pandarou, mais il y en a pas. Je regarde s'il y en a un autre. Ouais, tu serais la seule espèce où t'as un copain. Cela étant, comme j'ai dit, je vois pas quoi mettre avec un pandarou, avec les espèces qu'on a. Sinon, j'aurais mis quelque chose, hein. Mais... Ah, on a un choix de... Là, comme ça, on pourra savoir si on peut avoir des bébés. Qu'est-ce qu'on a là actuellement? Ah, bah, on a une fille. Daphné, du coup. Donc, il nous faudrait un mâle. Voilà. Il est curieux, il explore avec impatience les nouveaux lieux de son enclos. Voilà, on t'adopte. On n'a plus de cul. Tout va bien. Voilà. Il est ok. Il nous faut un pandarou mâle. Attends. Je suis perdu. C'est quoi là? C'est pas là. C'est là. Hop là. Voilà. Il est libéré. Il n'a pas de nom, mais il a le mérite d'être libéré. Pandarou mâle. Délivré. Oui, le pandarou est délivré. Vas-y, on va l'appeler Ben.
Ah, autant mettre le nom de mon chéri, tu vois. Pas le surnom. Voilà. Et techniquement, là-dedans, vous pouvez peut-être en mettre 3, non? Je sais pas, quoi que c'est un petit. Taille d'enclos. Je sais plus où j'avais vu ça, la taille. C'était au bureau ou même dans la tablette? Non, 2 sur 3. Comme ça, on saura, du coup, voilà, s'ils peuvent faire des bébés. Honnêtement, je pense pas. Mais bon, c'est jamais. Vous, vous êtes heureux dans le meilleur des mondes. Par contre, vous avez faim. Merci, Fox, pour le lurk. On a une cachette dans la jungle avec notre hippophile. Hippophile qui est seule. Donc, il faudrait qu'on ait des amis pour hippophile. Ça serait sympa. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre avec hippophile? Parce que hippophile. Qu'est-ce qu'elle aime bien hippophile dans la vie? Enfin, hippophile, d'ailleurs, on n'a pas fait son enclos. On n'a pas fait un autre truc aussi important. Attendez, avant d'aller faire ça. Je n'ai pas regardé. Ok, je peux regarder d'abord sur la tablette, ce sera plus intelligent. Que veut l'autruche? Elle voudrait une haie. On va lui mettre une petite haie. Elle a pas de haie. Tous les autres, ils ont leur truc. Donc, elle aussi, elle aura son truc. Mettre une petite haie. Je pensais la mettre là, moi. Ah, ou sinon, on le met vers leur dodo. Je vais éviter de vous coincer dedans, par contre. Moi, je peux pas acheter. Ah, si, ça y est. Bien aligné. On leur met une petite haie. Ou alors ça, on pourrait le tourner et leur mettre un petit dernier, genre là. Ça sera content. Quitte à être là, par contre, qu'est-ce que ça dit, votre vie? Ouh, bah techniquement on a un truc automatique donc il n'y a rien à faire sur ça. Quoique le niveau il est pas à fond. Enfin je sais pas, on dirait qu'il y a un niveau là. Le panneau d'information cachette dans la jungle est cassé. Va falloir je pense vraiment qu'on mette par contre des distributeurs par. Sinon on va être trop embêté. Cachette dans la jungle, du coup, c'est ça. Pardon. Cachette dans la jungle. Ah non, donc cachette dans la jungle. Je sais pas comment ça s'appelle, ça. C'est un petit biome forêt, mais... Ça, c'est quoi? Ah! Faut mettre un panneau d'animal. Ok. Ils ont pas de panneau, les pandarous. On peut pas savoir. Oh, on peut mettre une boîte de dons. Amazing. Ah, faut le collecter manuellement. Oh merde. Pas comme sur Planet Zoyo. Hein. Cachette dans la jungle. Ah mais non. J'étais en mode planète zoo là dans ma tête. Vous savez les panneaux d'information sur quel animal est dans l'enclos. Mais non, eux, leurs panneaux, c'est... Vraiment, c'est ça. Mais cachette dans la jungle. On a reçu un nouvel avis. Bon, on en a reçu plein, je pense. Cachette dans la jungle. Va donc, il y a cachette dans la jungle. Bah ouais, c'est hippophile. D'accord. Vous voulez lui mettre des potes à hippophile. Ok. On va regarder vite fait les avis. Même si je pense qu'il faut qu'on essaie d'aboutir nos enclos actuellement.
tripophilie. Donc, nos amis. Deux objets. Ok. Déchets dans la jambe. Non. Ouais, bon, après ça, c'est peut-être plus vieux. Parce que normalement, ils sont bons, le truc. Ah! Il y a un autre truc cassé? C'est quoi qui va pas là-dedans? Ah, le robinet. Effectivement. Hop! Ouais, qu'on regarde combien ça nous coûterait de tout passer en automatique. Si on passait tout en automatique, ça ferait 2 ça et 2 ça, ça nous ferait 4000. Ah ouais, non, ça coûte trop cher. Non, on a vraiment pas le budget. On a vraiment pas le budget. Quoi, maintenant que t'as mangé? Ouais, je me doutais que tu t'étais fait une bonne ration de nourriture. C'est fait. Bon, les avis, il n'y a rien qui est ressorti de manière majeure. Donc, avec un hippopotame, on pourrait mettre quoi? L'éléphant, le buffle, je l'aurais bien vu avec l'éléphant, moi. Comme le dromadaire. Parce que hippopotame... Il a de la place là où il est. Hein. Faudrait qu'on lui trouve des compagnons. Hein. Ou sinon, on migre les trois autres là, mais sachant qu'on a fait tout leur enclos, ce serait un peu sad. Surtout, voilà, lui, j'allais dire, lui, il veut de la boue. Et ici, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de boue. Eh ben, écoute, la vie est belle. Non, il n'y a pas de boue, donc ça marche pas. Faut que j'arrête de faire une chape, c'est chiant. Lui veut de la boue. Elle veut rien. Elle veut rien. Lui, il veut de l'eau. Lui, il veut de l'eau. Ok. Ok. Merci Price pour le leurre. Non, bah, je pense qu'on va être obligé de mettre les éléphants avec eux parce que de l'eau, de ce qu'on avait vu, il n'y avait pas l'air d'avoir beaucoup d'eau. On va se faire un petit épée au bureau. Mais je crois que ça va être l'éléphant qui va être avec notre ami Popotame. Et donc avec lui le buffle et compagnie. Enfin, buffle et compagnie, pas obligé, mais... gestion d'animaux. Non, on voyait bien sur la carte, je crois. Non, on voyait mieux sur la carte. Carte que je voyais pas là, mais que je voyais donc là. Non. Par contre, en fait, on voit bien l'eau ici. Donc là, il y a de l'eau. Ah non, je sais où on voyait. C'est bon, ça me revient. On sait qu'il y a de l'eau dans la vallée en steppe. Vallée en steppe où on a absolument rien mis pour l'instant, mais c'est réservé aux prédateurs, ou comment dire ça, ok, les quatre du haut, il y a de l'eau. On va regarder, je me rappelle où on a vu ça. On a vu dans gérer les animaux, mais en comme ça, voilà. Donc on a dit les quatre du haut, donc ceux-là, il y a de l'eau. Sauf que... Ah, dans l'oasis lointaine, on peut. Ok, là, on peut pas. Et là, on peut. Hmm.
Parce que là, à la limite, du coup, j'aurais peut-être plus mis dans l'oasis lointaine l'éléphant, le buffle, le fennec et le dromadaire. Ça fait 4. Et c'est max 4. Ça peut. Au même titre qu'on peut les séparer. Hein. Le gorille, il veut quoi comme taille? Et ça aussi, ça va être déterminant. Le gorille, il veut pas d'eau, mais par contre, il veut un moyen. Et un moyen, et ben... Est-ce qu'il nous reste un moyen où on peut le mettre? C'est bête, mais ça va jouer. Non, là, il passe pas. Par contre, ça, c'est un refuge désertique. Moyen. Et ici, notre gorille, il pourrait y être. Mais là, il n'y a pas d'eau. Mais c'est quoi ces enjeux de la vie? C'est ouf, hein? Alors, c'est à la fois bien... Enfin, pas bien et pas bien. Je sais pas comment dire. En fait, c'est... C'est un peu galérien, en fait. Tu vois, parce que là, en gros, on a la visibilité des... On n'a pas toutes les infos au même endroit. Donc, t'es obligé de retenir que telle espèce, il veut telle taille, que... qui veut tel lac, machin, qui veut tel truc. Tout en retenant que tel enclos a telle spécificité. En tout cas, on fait pas ce qu'on veut. Ça, c'est une réalité. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, le gorille, on peut pas le mettre n'importe où. Et le gorille moyen, à vrai dire, t'as pas le choix en fait. Hein. En gorille moyen, t'es obligé de le foutre là où est notre. Notre hippopotame en fait. Il n'a pas le choix. C'est déroutant. Parce que là, il y est pas. Là, il y est, mais c'est un petit, donc il rentre pas. Là, il y est, c'est un grand. Là, il y est, mais c'est un petit, donc il ne va pas. Là, il n'y est pas. Alors là, il peut aussi. C'est soit l'oasis, soit ici. Sauf que... Oh, ça change pas grand-chose, me direz-vous. C'est juste que celui-là fait quand même beaucoup plus grand. Donc quand tu veux mettre une grosse espèce comme l'éléphant, c'est pas mal. J'imagine que notre hippopotame va migrer là-bas. Et ça va donc faire éléphant, hippopotame, buffle, et j'ai plus le dernier, et dromadaire. Là, on aurait le gorille. Est-ce qu'on lui ajoute le fennec ou pas? Je suis pas sûre. Le fennec, j'avoue, je l'aurais peut-être plus mis dans un petit truc petit, comme ça. Genre, voilà. Fennec, gorille, et là, l'hippo. Donc ça suppose qu'on aille... Je sais pas s'il faut refermer ça. Si on ferme, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas. D'accord. Enfin, c'est une information bonne à savoir. La vallée en steppe, ça je peux rien en faire parce que. Ben, enfin, je peux rien en faire si, mais il faut qu'on achète des carnivores. Parce qu'il n'y a que eux qui vont dedans. Là-dedans, on peut mettre la vallée en steppe. Hyène, lion, tigre et coyote. Moi j'aurais plus joué avec ceux que pour l'instant on a déjà un peu en début. C'est-à-dire, ben, là en l'occurrence, l'hippo. J'aurais bien réparé l'oasis lointaine en fait. C'est une erreur, hein, mais écoutez, ça dépend. L'oasis, prairie paisible, voilà. Comme ça, on transfère tout de suite l'hippo là-bas. À sa place, on met le gorille. Du coup. Tac, ça on peut rentrer. J'ai besoin de quelques barres. Ah oui, pardon, c'est pas faux. Je sais plus si j'en ai, si j'en avais racheté. C'est robinet que j'ai plus. On a un nouvel avis. Paf. Bon, en tout cas, si on devait se faire un petit résumé là de ce
que niveau expérience, je pense que là, on a quand même fait un sacré tour du jeu avec nos presque 2 heures de gameplay, là. Dans l'ensemble, bah, je trouve qu'il est assez intéressant parce qu'en fait, il est assez différent de ce qu'on a déjà pu voir dans l'univers des gestion des eaux, etc. Je pense pas, par contre, que ce soit le jeu qui, vous savez, va apporter... Bon, je vais dire Planète Zoo parce que c'est un peu quand même une grosse référence dans le milieu. Mais en fait, c'est pas un jeu qui me semble infini. En fait, je me dis à un moment donné, bah voilà, t'as une zone d'enclos définie, un zoo à rénover. Une fois qu'il sera rénové et qu'on aura installé tous nos animaux, sauf bien sûr après évolution avec l'Early Access, hein, ça dépendra de ce qu'ils vont ajouter. Ah, on n'a pas de robinet. Mais dans l'ensemble, sinon. Je pense qu'il peut vous apporter une boîte de dons et collecter une somme considérable. Attendez, là, pas du gain, excusez-moi. Il faut qu'on aille faire ça. Trop de choses à faire. Robinet, à pas du gain. Trop de pression, là. Mais non, mais en tout cas, je le trouve bien. Voilà, comme je disais, je pense qu'il apportera un certain temps de jeu. Voilà. Mais faut pas, voilà, faut pas le voir comme un panezo. C'est pas un jeu où vous pourrez avoir des centaines d'heures. Des zoos en tout genre. Non, là vous avez un zoo, vous devez rénover, aménager, etc. Mais c'est un peu une histoire, quoi, en fait. Une fois que vous aurez terminé ça, rien ne vous empêche de recommencer le jeu et d'agencer différemment. Mais sinon, vous allez quand même faire un peu la même chose entre autre chose. Regardez, on va prendre le pactole ensemble. Oh, je l'ai vendu. Mais j'ai quand même collecté 2400. Je suis un boulet. Voilà, c'est validé. C'est accepté pour cet instant. Non, pas tout le temps, mais là, c'est accepté. Ah, mais on peut mettre des poubelles et tout. Ah, mais je découvre la lune, en fait, là. D'accord. C'est rigolo. Et le petit banc et tout. D'accord. Mais j'aime bien. Enfin, voilà. Donc, moi, en tout cas, j'ai un bon avis sur le jeu. J'aime bien. Bah, justement parce qu'il change, comme je disais. Mais par contre, voilà, si vous cherchez un jeu où vous allez avoir des heures d'infini dessus, non, ça collera pas, je pense. En ce sens-là, bah, je dirais plutôt, voilà, Planet Zoo correspondra plus. Par contre, si vous voulez un jeu où, justement, par contre, vous serez peut-être moins, parce qu'il y a le mode carrière sur Planet Zoo, mais sinon, Planet Zoo, vous lancez une franchise, vous êtes tout seul. C'est à vous de tout gérer, de tout penser, etc. Si vous voulez être sur un jeu d'une gestion de zoo, vous allez être accompagné, etc. Là, par contre, ouais... Zoo Simulator rentre totalement dedans. C'est totalement son objectif, en fait. C'est, vous avez un certain panel d'animaux. Alors, il n'y a pas une vaste liste, mais il y a quand même un choix varié. Puis en plus, il y a le panda. Donc, voilà, gros plus pour eux. Et voilà, je sais pas quoi en dire de plus. Juste, moi, je passe un bon moment dessus. Et donc, bah, si vous aussi, vous voulez le découvrir, eh bien, il sortira donc le 26 juillet. Sur Steam. Je vais changer un peu. Hop. Et puis voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Moi, en attendant, je vais réparer ça.